يمكنني أن نقول أن هذه الشراكة كانت مبنية منذ زمان، لأن كل ما أنجزناه أنجزناه في شراكة، غير أن اليوم ستكون شراكة جديدة. يعني هذه الشراكة لها طابع خاص، يعني بما أن المغرب الله الحمد قد وضع قانونا لهذه الشراكة، فهي شراكة ستمكن المغرب من إنجاز كثير من المشاريع حسب طرق مختلفة بفعل الحال في إطار هذا القانون الجديد إن شاء الله بحول الله. هناك تمويلات من طرف المقاولات، هناك تمويلات من أبناك محلية، هناك تمويلات من أبناك دولية، يعني كل مشروع سيكون له يعني مجاله وستكون له حلوله الخاصة به بطبيعة الحال بشراكة تامة مع أصحاب القرار. الشراكة هي تدخل في حيز هذه شراكة العقد ما بين الجامعة الوطنية للإشغال العمومية وبين الدولة، والتي ستحدد يعني مجموع التزامات المقاولات اتجاه الدولة، وكذلك مجموع التزامات الدولة تجاه المقاولات المغربية، وذلك لأجل تحسين مردودية المقاولات وتنميتها ودفعها الى تشغيل ما اكثر من 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 اليد العامله ومن الاطر المغربيه، والدفع بها كذلك لان تكون قويه داخل المغرب، وبذلك بتلك القوه تستطيع ان تلج المشاريع خارج الوطن. ونفتخر اذا كذلك الحمد لله ان مقاولات المغرب تشتغل اذا في اوروبا في مجال البناء والاشغال العموميه. Alors le contrat programme qui est en fait un contrat programme du secteur des travaux publics avec le ministère bien entendu de l'équipement, des transports et de la logistique et deux fédérations, la FNBTP, la Fédération des entreprises, et la FMCI, la Fédération des bureaux d'études. Aujourd'hui ce contrat programme est finalisé et nous attendons sa signature imminente, que nous espérons imminente. C'est un contrat pour nous très important parce qu'il va nous donner de la visibilité dans le développement de notre secteur et dans notre relation avec les pouvoirs publics. C'est transparent. Plus visible parce que jusqu'à présent, le partenariat existait avec les différents départements ministériels. Notre fédération, la FMCI, dialogue avec le ministère de l'Équipement, avec le ministère de l'Habitat, avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Agriculture. Mais l'intérêt d'avoir ce contrat programme, c'est qu'on a un contrat programme intégré qui aborde des thématiques horizontales qu'on retrouve dans tous les départements ministériels. Deuxièmement, ça va nous donner de la visibilité parce que ce contrat programme se termine par un plan d'action et nous comptons avec des moyens qui vont être mis en place une série d'actions pour améliorer les conditions d'exercice de notre profession pour ce qui nous concerne dans plusieurs thématiques, dans la réglementation, la formation, l'innovation, l'aide à l'export, etc., etc. Le contrat programme, nous espérons qu'il sortira bientôt. C'est un contrat qui nous permet justement, qui permet à l'administration et à notre fédération qui regroupe tous les professionnels des secteurs des travaux publics, l'acte de bâtir, que ce soit une route, que ce soit un ouvrage d'art, que ce soit un bâtiment, d'avoir d'abord de la visibilité, d'avoir des textes qui nous permettent des cadres juridiques adéquats pour pouvoir travailler en toute sérénité et qui puissent donner, c'est très important aussi, de la visibilité et de la confiance. Que ces 10 dernières années, l'ingénierie marocaine a percé plusieurs marchés à l'export et en particulier en Afrique. Dans le domaine des transports, les routes, il faut savoir que les premières autoroutes construites en Afrique de l'Ouest l'ont été avec une ingénierie marocaine. Je peux vous donner l'exemple de la Côte d'Ivoire, l'exemple du Sénégal, où les premiers tronçons autoroutiers réalisés il y a moins de 10 ans on fait appel à l'ingénierie marocaine. Dans le domaine des routes également, il y a énormément de tronçons routiers où les bureaux d'études marocains ont fait soit les études, soit la supervision des travaux. L'ingénierie marocaine est également de plus en plus présente dans le secteur de l'eau.
dans ces pays-là, particulièrement l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, dans le domaine de l'eau potable, l'assainissement et l'irrigation. Et bien entendu, notre ambition, c'est que l'ingénierie marocaine soit beaucoup plus présente. La présence de certaines entreprises marocaines qui font un excellent travail et dans l'administration, la population dans ces pays-là est très satisfaite du travail. لابد أن أقر هنا أن جميع القوانين تدير الصفقات العمومية مثلا هي قوانين تصدر بعد مشاورات مع جامعتنا وهناك بطبيعة الحال بعد الفصول لا يمكن أن يقع عليها التراضي بالمئة المئة كالأفضلية مثلا اللي نحن ننادي بها ولا زلنا ننادي بها ونحن نحيي الشجاعة والقرار الذي اتخذه وزير السيد وزير الجهاز والنقل واللوجستيك في هذا الميدان ونتمنى أن الحكومة بأكملها تتبع هذا المثال الأمثل لأنه هو الذي سيمكننا من المنافسة بكفة جدية. Qui nous manque en ce moment, c'est d'abord un manque de moyens humains. Parce qu'on ne trouve pas suffisamment de compétences marocaines opérationnelles et prêtes à s'exporter dans ces pays-là. Et le deuxième, si vous voulez, le deuxième point faible, entre guillemets, c'est le coût de l'ingénierie marocaine. Parce qu'il faut savoir que quand on va dans ces pays-là, nous avons en face des ingénieries provenant de pays où le coût de l'ingénieur est beaucoup plus bas que l'ingénieur marocain. J'aimerais que il y ait encore plus d'entreprises marocaines qui s'exportent. Il y a des défis, c'est vrai. Il faut que l'entreprise marocaine soit forte chez elle, d'abord, avant de pouvoir s'exporter, parce que les frais financiers sont énormes, parce que c'est pour certaines entreprises, c'est un marché qui est inconnu, qui a besoin de visibilité et qui a besoin d'assurance.